monsieur de Maupertuis, qui était à la toilette du roi de Prusse avec l'auteur. Lorsque ce prince, encore la fleur de l'âge, leur fit remarquer qu'il avait des cheveux blancs. « Ami, vois-tu ces cheveux blancs sur une tête que j'adore? Ils ressemblent à ses talents. Ils sont venus avant le temps, et comme eux, ils croîtront encore. »